Et aujourd'hui, vraiment, on est là pour la mise en place d'un comité de pilotage du projet. Ce comité de pilotage, il a à son sein différentes structures techniques, et comme par exemple ETDS, il y a aussi le COSEF, parce qu'il faut dire aussi que ce projet, il a trois volets. Il a le volet genre, mais aussi il a le volet économique et le volet politique. Donc, si on part sur le volet économique, il y a la mise en place vraiment des unités de transformation, de manque, le projet accompagne vraiment à la mise en place de deux unités de transformation de manque, une à Dinaki, mais aussi une à Niamon. Et il y a aussi la participation politique des femmes, mais notamment aussi, il y a aussi les renforcements de capacités qui ont été prévus pour les élus locaux. Des cinq communes. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'on a changé les équipes municipales, et aujourd'hui elles ont besoin vraiment d'être renforcées. Et à travers ce projet, nous avons vraiment mis, à travers ce comité de pilotage, nous avons invité toutes les structures vraiment que nous pensons qui sont dans le domaine du genre, qui sont dans le domaine politique et aussi qui sont dans le domaine économique. Qui pourront aider vraiment à la synergie d'action. Et tout cela, c'est pour au moins atteindre les objectifs du projet à temps réel. Donc aujourd'hui, nous étions ici à ECAF pour la mise en place de ce comité. Et à l'issue vraiment de cette mise en place de comité, il y a eu vraiment une des propositions pertinentes, c'est que le comité, il est composé de 45 personnes, mais vraiment de mettre en place un comité restreint qui pourra travailler à l'interne de façon avec un plan d'action bien déterminé. Parce que dans le comité, il est prévu pendant 2 ans, quatre comités de pilotage du projet. Mais l'assemblée qui était là, composée des bénéficiaires du projet, comme je vous ai dit, composée de l'Agropole Sud, de Endagraf, de l'AJS. Aujourd'hui, nous nous félicitons vraiment que l'AJS soit aujourd'hui présidente, la représentante, la coordonnatrice de l'AJS, Madame Colli, que nous félicitons au passage, qui est aujourd'hui la présidente de ce comité de pilotage. Et il est important vraiment d'être ensemble, de travailler en synergie pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Il y aura un comité restreint comme proposé par les membres du COPIT, qui travaillera pas pendant les 6 mois, mais peut-être qui se réunira le